c'est Magdala Michel Jean-Pierre. Je suis conseillère technique MOFCA. MOFCA, c'est Mouvement Femmes Actives CAFOU. Donc, c'est une organisation femme qui a évolué dans la commune CAFOU depuis 23 juin 1999. Nous travaillons avec femmes, avec Timoun. Nous faisons prise en charge survivants et survivantes VBGO. Nous travaillons avec Timoun en domesticité. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Et nous faisons prise en charge humanitaire. Pendant que j'étais très jeune, dès qu'on a suivi Liliane Pierre-Paul, dès qu'on a suivi Mesdames Famio Layo. Donc, j'étais dans la commune Kafou, j'étais un manquement dans le bagage. Côté que j'étais grand pile de femmes qui étaient qu'on a subi victime, qui étaient victime de violence. Le hall dans le commissariat, au lieu de faire prise en charge pour eux, ils passaient dans le jouet. Donc, moi-même, avec deux sœurs, avec un autre ami, et me déchirer la caméra et me dire mesdames nous allons mettre une structure femme qui permet que nous-mêmes nous faire prise en charge pour femmes actives qui victimes de violence. MOFCA c'est une organisation qui a pour objectif intégration sociale mesdames et nous fait intégration sociale ça par la formation. C'est ça qu'il faut après nous dans l'espace côté nous y a là nous avons l'école là qui gagne et qui héberge 425 timoun qui c'est en majorité des timoun qui sont dans des quartiers très vulnérables. Et nous avons un centre professionnel tout, qui pour mesdames. Et avant, nous avons un projet pour jeunes mamans, Timoun 13 et 19 ans, qui ont un jargon Timoun, et nous avons une formation professionnelle. Nous avons un pile d'obstacles dans le travail. Le plus gros obstacle que nous avons dans le travail, c'est dans l'appareil judiciaire. Par exemple, l'arrivée avec une femme qui est victime de violence, et ou elle porte plainte dans le commissariat, il y a une tendance à banaliser ça. C'est parce que la fille a tapé marché tout unique, fait le cas victime de viol. C'est parce qu'elle n'a pas respecté mari qui fait le cas battre. L'autre gros obstacle que nous avons, c'est le problème de l'argent pour faire accompagnement à des copes. Donc, pour suivre les gens. Parce que des fois, suivant le bas, même l'argent pour sauter la caille, pour aller dans le tribunal, et pour aller à l'hôpital. Ou bien des fois, à côté, il est tellement stigmatisé, il va venir dans la zone, il faut qu'il ait déplacé. Tout ça, demande de l'argent. Donc, qui vient faire que des fois, la prise en charge n'est pas faite. Et l'autre plus gros obstacle, c'est le problème économique. Donc, il faut qu'il soit autonome. Et les filles viennent faire une réhabilitation, il faut qu'il y ait un moyen pour permettre que, économiquement, il prenne la réal, qu'il fait commerce pour autonome. Les femmes haïtiennes, à 52% de la population, mais nous sommes potomites en pays. Si les pays continuent à survivre, en dépit de tout problème social, en dépit de tout problème politique qui gagne, problème économique qui gagne, si mesdames vont vivre en bas la ville, là, ou pas gagner et pays encore. Donc mesdames, vous continuez avec les petits commerciaux, dans le marché, devant Topolino, Malpass. Tout côté de l'économie économique, donc on met du secteur informel là qui c'est 95% qui c'est femmes, c'est eux qui font payer à marcher économiquement toujours. Le message ça là plus concerne les mesdames qui vivent dans la section communale, qui vivent dans une zone très reculée, que des fois, nous ne connaissons pas la quantité de fois que vous êtes victimes de violence, parce que vous pouvez parler. Et pour qu'on ait que au pas pour compte yo gagne des moun ka avec yo mouf ka avec yo fòm yo la avec yo sofa avec yo donc pour qu'on ait que c'est potomit en pays et pour marcher côte à côte avec garçon parce que si nous pas mettre nous avec monsieur communauté nous on pas développer nous besoin backup monsieur mais nous pas prendre backup là en bas bâton mais n'a prendre backup là côte à côte pour nous développer pays.